Et yo les frérots, c'est Ruru, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup, pour un nouveau showcase sur le jeu Dragon Ball Legends. On va aller tester du coup le Vegeta SSJ4 avant son Zenkai dans la team famille Vegeta, parce que la team GT il est pas du tout optimisé, parce que la team GT n'est pas optimisée. Par contre, le Vegeta SSJ4 en famille de Vegeta, vous allez voir que ça fait des dégâts les gars, ça fait très très mal. Et avant de commencer le showcase, je voulais vous remercier pour le live encore d'hier, le live PVP contre les abonnés. De base, c'était juste un petit live sympathique entre 20 personnes. Puis c'est monté à 30, puis c'est monté à 40. On a stagné pendant très 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 longtemps aux alentours des 40. On faisait qu'avoir de nouvelles personnes, de nouvelles personnes, de nouvelles personnes. J'ai gagné plus 50 abonnés, mais au minimum, il me semble. Donc on a déjà dépassé la barre des 600 abonnés les gars. Donc merci à vous. Merci pour toute la force qu'on me donne, que ce soit dans le Discord, que ce soit en MP. Merci pour tout les gars. Ça fait kiffer. Et du coup, nous, on part tout de suite tester ce BG du coup que j'ai 9 étoiles en famille Royale Vegeta dans un classement 4000. Top 4000 les gars. C'est parti pour la première game. Pour bien commencer, bah putain de merde. On va jouer contre une... Oh, ça va encore. Ça va encore. On aurait pu avoir pire. Pire que ça par contre, ça va pas nous arranger de prendre le... Le Vegeta SSJ4, quand on va partir? Je pense qu'on va partir comme ça, tout simplement. Ouais, je pense que je vais prendre plutôt le Majin à la place du Vegeta jaune, comme ça. Non, je pars comme ça, ouais, let's go. Allez, let's go. Allez, on touche, pour commencer, c'est bien ici. On a la main déjà sur l'adversaire dès le début de game, ça nous met bien. Même si on va avoir un peu de mal à mettre de la pression ici. Malgré tout, je voulais mettre le Vegeta, mais tant pis, ça a laissé le celui-ci. Merde, il a attaqué. Je voulais faire la verte de base. Je voulais attendre, ouais, pour avoir l'open un peu trop facilement, c'est vrai, j'avoue. J'avoue, j'ai fait le flemmard ici, j'aurais pu juste attaquer en ayant la bonne tempo, mais j'ai eu la flemme. Quel bâtard de merde. Parfait. Et là on l'a. Ici on l'a, nickel. Ouah. Pardon. Allez, on va mettre le Vegeta un petit peu. Ah, c'est la galère hein. Ah, c'est forcément la galère. Ça va encore, ça se défend. Ça se défend. Mais bon, voilà quoi. On aurait pu avoir mieux hein. Oh, la full blast hein, là. Oh, la full blast. Et malgré tout hein, malgré tout, les très bons dégâts blast du Vegeta SSJ4 en RR sur le Badak Zenkai 7. Il était Zenkai 7 sur Badak, je suis même pas sûr. Sur les 3 persos, je crois qu'il y a un perso qui n'était pas Zenkai 7 et je crois que c'est le Badak. Donc c'est peut-être bien pour ça que du coup on a fait aussi mal. Et là on va faire l'ultime sur le Gogeta Zenkai 7. Ouais, du coup il était bien Zenkai 3 sur Badak, je viens de le voir. Avec leur mise à jour, c'est bien ça qu'on puisse le voir maintenant. Est-ce qu'on évanouit ici? Bah non. Bah non. La verte. Ça campe. Ah ouais. Ah ouais. Ça perfect dodge en plus. Un délire. Incroyable de perfect dodge comme ça. Incroyable quand même. Bah écoute, moi je laisse le végétal, mais pas de soucis. Hein. Ouais. Ah là par contre, je vais peut-être mettre le végétal CJ4. Je pense qu'il va tanker hein, quand même. Hein. Je pense qu'il va tanker malgré tout, on va voir ça. Oui. Non. Putain. Mais c'est quoi ce... J'ai pas de bol. Ah, j'ai pas de bol. Merde. Ah, merde. Ah, c'est chiant. Et ça va, parce qu'il tanque assez bien, je trouve. Hein. Il tanque vachement bien, je trouve, le perso. Hein. Parfait. Dommage qu'on mette pas le KO ici. Allez, et ça touche. Là on est bien. Là on est bien ici. Parfait, on l'a fait esquiver en plus de ça. Il va nous mettre KO, mais c'est pas grave. Il va nous mettre KO ici, mais c'est pas du tout un souci. Ah, la D. Non, ça passera pas. Et il le met KO. Voilà. Ça fait plaisir. Un petit tempo. Et voilà, nickel. Hey, petit abandon. Bah voilà pour la première game qui se passe. Muerte caliente. C'est parfait. Nickel pour la première game. Bah, franchement, Vegeta SSJ4,
pas dépassé. Que ça soit en défense, ça allait. Contre des Zenkai, du gros Zenkai 7 en plus. Attention, parce que là, c'était du Gogeta Zenkai 7 et c'était du Goku SSJ3 Zenkai 7. Et on a vu qu'il tankait assez bien. Il a mis, avec sa spé KO, il a fait full vie. Enfin, la barre de vie qui restait du coup au Gogeta Zenkai 7, voilà, il l'a mis KO. Son ultime qui a fait pas mal de dégâts, quand même, malgré tout. Et puis, le bon, après, le Bataki était Zenkai 3, mais il y a quand même eu du beau dégât de la part de ce perso. Donc, let's go. Je lui laisse un petit GG comme il me l'a fait. Sympathique de sa part. Bien joué, bien joué. Gros GG, frérot. Et voilà, là, ce que vous voyez là, du coup, les gars, sachez que je suis en train de tourner, du coup, la vidéo, du coup, qui sortit là aujourd'hui. Juste après le live, PVP à Bo, donc je suis éclaté, les frères. J'ai fait 3h30 de live. Live de fou quand même. Donc, encore un grand merci. Encore un grand merci parce que tout va trop vite en ce moment. En une semaine, je trouve que ça va vraiment trop vite. Mais merci beaucoup. Merci pour la force, les gars. Et nous, on part. Du coup, les gars, pour la deuxième game, qui est là tout de suite maintenant, Sansai de la Yosei FR. Donc, un petit compatriote français ici. Là, on va partir certainement, même avec certitude, carrément avec le Vegeta Blue. Violet ici, que je n'ai pas 14 étoiles. Je croyais que j'avais 14 étoiles, mais non, je n'ai pas 14 étoiles. Après, je peux partir comment? Là, ça m'arrange pas de prendre le Vegeta SSJ4. Hein. Allez, on part comme ça. Let's go. Allez, c'est parti. C'est un perfect dodge dès le début. C'est bien, nickel. Allez, allez gâteau. C'est parfait. Ouh. Ouh, il va faire mal le Vegeta ici. Incroyable. Nickel. Par contre, là, ce qui est chiant, c'est le lock de Beerus. Hein. Ah, le lock de Beerus, il est un peu relou. Hein. Dommage. Ah, dommage. Ici, on va mettre le Vegeta du coup. Ah, GG. GG de sa part. Vous voyez à quel point aussi la famille Vegeta, ça tombe vite. Hein. Ah, ça tombe très vite, les gars. Ça rigole pas. Et il a déjà le RR en face. Ok. Ok. Ça m'arrange pas de laisser le Vegeta. Ça m'arrange pas du tout, mais bon, c'est un petit peu le showcase du Vegeta SSJ4, donc... voilà, quoi. On va essayer de le laisser en jeu. On va essayer de le laisser en jeu, quand même, malgré tout. Parfait, parfait, parfait. Wouah, les dégâts qui sont présents! Mais oui, messieurs! Mais oui! Allez, on va faire l'ultime. Il y a moyen qu'ils mettent le Goku Zenkai 7, par contre, ici. Ah, c'était sûr. Ouais. C'était sûr. Est-ce qu'on évanouit? Ah, bah non, on peut pas évanouir. Ah, bah si. Ah, on peut complètement évanouir, en fait. Allez, let's go. Le RR ici sur le Goku Blue, c'est ce qui va m'arranger le plus, hein, effectivement. Étant donné que du coup pour le, il peut contrer mon Goku, mon Vegeta SSJ4, donc c'est mieux qu'on le mette KO ici avec le RR. Surtout qu'on aura du mal, je pense, à le tuer avec le Vegeta Number Wanda. Donc c'est mieux comme ça. Mais c'est étonnant, pourquoi j'ai pu évanouir comme ça? C'est le Vegeta jaune qui fait ça ou je sais plus. Si quelqu'un a la réponse, les gars, parce que là, par contre, je l'ai pas. Hein. Pour moi, j'étais normalement, il devait pas pouvoir être évanoui le Goku. Ah, mais non. Non, non, je sais pas. Non, vraiment, je sais pas. On met le Vegeta. Yes, c'est bon. Par contre, s'il y a un deuxième RR en face, ça va être chiant. Je me suis fait trop avoir comme ça par Nonux pendant mes lives, mais par bien d'autres abonnés également qui m'ont affronté. Donc c'est bon quoi. Maintenant je temporise parce que là, j'en ai marre. Voilà, parfait. On gagne des cartes. Non, non, non. Et il va mettre KO ici. Il va ne rester que le Vegeta du coup. Ah merde.
Ah merde. Ah la Vados qui saoule. J'ai plus de ki, j'ai plus rien. Et qui va mettre KO. Eh bien elle vient mettre KO en plus également ici. Bah tant pis, j'ai un peu mal joué quand même pour la seconde game. J'ai eu pas mal de chance, mais bon, sur la fin, j'ai vraiment très très mal géré. Que ce soit mes changements ou même le fait que j'en oublie en fait les passifs de mes adversaires, que ce soit la Vados ou le Beerus. C'est un peu ça qui m'a coûté la game ici. Mais bon, pas grave, malgré tout, on a pu quand même s'en sortir un minimum. Et puis on part du coup pour la troisième game, les gars. C'est parti. Grosse team SSJ en face, elle est énervée même. Et là, ça va pas être simple. Ah là, ça va pas être simple, les gars. Je vous le dis. Bon, bah, on va prier pour que ça fasse pas mal d'erreurs en face. Allez, c'est parti. Ça commence mal. Oh, le critique. Oh, le critique. Tant pis. On va laisser le Vegeta. Parfait. On va s'avancer, esquiver. Parfait. Verte. On le touche. Pas du tout. Allez, nickel. On le touche ici. Il y a moyen qu'il mette son Goku. Voilà, c'était sûr. Faire la spé. On va refaire le main pour regagner une spé derrière. On va pouvoir temporiser également. Parfait. Et ça va faire du dégât, hein, malgré tout. Hein. Attention. Oh là 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 là. Ok. 1, 2, 950. Ah, il a fait 959 en face. Et là, je perds le Vegeta. Je perds le Vegeta malheureusement, putain, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté là. Ah non. Bah nickel. Bah ça danse. Ça danse. Quel con. Mais quel con. Ah non, c'est bon, il a fait l'outil, il a fait l'aspect ici. Parfait. Parfait, parfait. On met KO. On a un peu joué les comme des bâtards, hein. Je vais vous avouer. Oh bah ça c'est nickel ça. Alors ça je prends. Le mec il aime danser en face. On sent qu'il s'est inscrit il y a pas si longtemps que ça. Et qu'il en manque de bougement. En manque de bougement. Ah faut le faire. J'invente de nouveaux mots les gars. Ça va le faire. Et là petit RR. Le petit RR qui va passer. On va faire la verte. Normalement ça devrait le faire. Normalement, normalement. Ah, normalement. Hein. Ah, la D. Oh, le con. Ah, là, il a fait le con, là. Hein. Là, il a fait un peu le con. Le mec en face. On va mettre le Vegeta. Qui va faire ses petits dégâts. L'ultime. Alors, il y a... Bah, de toute façon, c'était sûr qu'il allait mettre le Badak. Par contre, j'aurais bien voir, du coup, là, les dégâts qu'il va faire sur le Badak. Étant donné que là, il est Zenkai 6, par contre. C'est pas la même. C'est pas la même. Ok. Clash. 909. 979 en face. Ah, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, le frérot. Bien joué. Parfait. Parfait, parfait. Ici, le perfect dodge qui régale. Mal joué. Ah, j'ai trop mal joué. Oh, j'avais la verte. J'avais la verte pour open le combo. Putain que j'ai mal joué. Oh, je pouvais le LF, là. Oh, j'allais lui faire un petit LF, les gars, là. Des familles. Oh, ça aurait été sympathique, hein. Ah, c'est dommage. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait? À quoi il joue? Attendez, j'ai pas gagné, hein. Attendez les gars, moi mes dingueries, vous connaissez. Une Belek là.
Mais Ah! Ah non, mais c'est bon! Eh hey, non, mais j'ai commencé à flipper, les gars! Wow! Wow, 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 wow! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, c'est passé crème! C'est passé. Ouah, c'était galère! C'était galère! Bah, franchement, impeccable! Les trois games se sont passés impeccablement. Bon, même si la deuxième, voilà, petite défaite des familles, tu connais. Tu connais, tu connais. Bon, ça arrive, forcément. En plus, le gars avait très très bien joué. J'avais mal joué de mon côté. Là, par contre, sur cette game-là, on a pas mal dansé. Mais voilà, gros taf contre une team presque full Zenkai. Il y avait le Goku Ultra qui était là avec cette étoile. Donc voilà les gars, j'espère que ce showcase vous aura plu. Voilà, un showcase qui sera du coup assez court. Assez court, 3 games seulement. Parce que je suis claqué les gars, je suis claqué au sol. Parce que j'ai vécu un live, pas anthologique. Parce que voilà, c'est les débuts. Mais un live de fou. En tout cas, ça c'est sûr, un live extraordinaire. Et ça c'est grâce à vous les gars. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Et pour tous ceux qui découvrent via cette vidéo les gars. N'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez votre meilleur pouce bleu, le meilleur partage, les gars, ça fait plaisir. On est déjà aux 600 abonnés, et c'est incroyable. C'est incroyable, bien, road to 700, et puis, dans un futur un petit peu lointain encore, road to 1000 abonnés, les gars. Et à ce moment-là, je ferai ma guilde, du coup, sur DB Legends. Mais on n'y est pas du tout, les gars. En tout cas, sur ce, moi, je vous souhaite une très, très, très bonne fin de journée, les gars. Et puis, nous, on se retrouvera, du coup, demain. Pour un nouveau showcase sur le jeu Dragon Ball Legends. Merci à tous et salut!